Dieu. C'est toi. Dieu. Pour vous. Watipé. Ah. Toujours. Mon frère, on est banni, mon frère. Bâtard. Je connais, cousin. What's up, Kassou? Donc, comment ça? En saut, ça va ou quoi? Mon gars, Sada. Mon gars, ça va, mon gars? Mon gars, Sada, c'est comment? Ça va ou quoi, mon gars? Il est toujours. En question, c'est moi. Tout doucement. Ça va. En tout cas, si maman va venir rendez-vous dans la boutique. Non, c'est à vous, merci. Street art, dire. Donc, t'as dit la dernière vidéo qu'on a fait? Ouais, c'était bien, ouais. C'était un peu la folie, même d'ailleurs. C'était un peu la folie. Tu connais, à ce qui paraît, on attire les bleus, mais t'as vu ici, on est là, Wati Boutique, y'a pas de tout ça. Il est tranquille. Ah, c'est bien, en tout cas. Ah, les boys, c'est à ce qui paraît, il y a un projet qui s'appelle Équipe Denis qui sort le 3 juin dans les bacs, donc voilà. C'est qui t'as sorti le 3 juin dans les bacs. C'est certifié, mon gars, on sort, on le certifie. Voilà, tranquille, hein. C'est mon pépère ou quoi ça t'a? Ah, moi ça va, toujours en mode. Des questions? Ouais, les questions vont commencer. Non, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, chacun qui veut? Moi, c'est Abou de Bain. Et que la rafale navale, cavale, à bout de beigne. Bon, moi, c'est un solo, hein. Et qui est un son, et qui est le figurante. L'homme aux 10 000 punchlines. Ah ouais, poto. Un café, poto, le Roflamix, c'est qui? Qui est FLA. FLA, poto. Le débit illimité. Le débit illimité, poto. Voilà. Et là, maintenant, avant de parler du projet Équipe de Nuit, j'aimerais revenir sur certains éléments auparavant. Avant, c'était une vingtaine de personnes. Ouais. Voilà, depuis, vous avez signé chez Watibé, le groupe, c'est un peu restreint, mais je voulais savoir, c'était un choix collectif ou si... Non, en fait, je vais t'expliquer déjà, les vingtaines de personnes, ça date déjà des vidéos qu'on faisait quand on était 20. La plupart des gens, on avait peut-être 19 ans, tu vois. Là, aujourd'hui, les jeunes ont 24 ans, il y en a qui ont des enfants, tout ça. C'est-à-dire, à l'ancienne, on était des jeunes et tout. On voulait faire le plus gros collectif du monde, comme il a dit mon gars, dans les bails de fous comme ça. On voulait être le plus gros groupe du monde. À la fin, poto, il y a ceux qui ont perdu les jambes, poto. Ils couraient, tout ça, ceux qui sont arrêtés, ils sont arrêtés de courir. Et il y en a qui sont partis au travail, il y en a qui nanani, nanana, il y en a qui n'avaient même plus d'inspire. On leur disait, tac, tac, ils disaient, plus rien, gros. Tac, il est parti, gros. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a eu Esprit Noir, il y a eu plein de gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, du coup, le vrai noyau, il s'est formé avec le temps. C'est-à-dire, c'était comme section. Section d'assaut, oh, là-bas, c'était section d'assaut, vous voulez 40. Ah, ouais, section d'assaut, ah, casser des vitres, tout ça, pour venir rapper, je sais pas quoi. Mais on sait, ils ont fini à poteau 6. Il y a des gens qui sont devenus plombiers, il y en a, il est devenu vigile, il y en a, il est des architectes. Tu vois des gens ou pas? Dans l'institut, poteau, je ne peux pas dire qu'ils sont architectes, gros. Je sais pas, ils sont devenus, ils sont Portugal, il y en a, ils sont. J'ai ah, venez, deal. Ils sont tôle. Tu vois ce que je veux dire, on sait même pas. Mais en tout cas, là, ce qui reste, c'est le noyau dur et c'est le noyau du quartier à la base. C'est ce noyau, même noyau qui avait formé tout ce truc. 9e zone. Voilà, 9e zone. Ça veut dire, du coup, on est revenu en mode noyau, quoi. Ça veut dire, on veut faire rentrer des gens à la fin, on est resté tout seul. C'est comme ça. C'est un projet qui a été fait pour le délire de la nuit, les gens qui circulent la nuit dans leur caisse, voilà. Au travail, les gens qui travaillent la nuit, ils écoutent ce projet. Voilà, en fait, c'est pour tous ceux qui, tu sais, le monde de la fête, ceux qui aiment bien sortir la nuit, tu vois, la des gens qui préfèrent. Des fois, t'es en mode réflexion, on a des sons comme... Comme le morceau Big Phantom que tu as dit. Big Phantom, voilà. Un morceau comme ça, en featuring avec la section, ça, c'est en mode réflexion la nuit. Moi, un morceau gang, comme Dirty, ça, tu me retrouves dessus. Et tu vois, c'est quand t'es d'humeur, tu vois. Quand t'as envie de faire ton entraînement de boxe, tu mets assez bien. Quand t'es en mode Abou de Beng, la rafale navale. Tu vois, quand t'es en mode festif, il y a Nuit Blanche. Tu vois, c'est Pompilo. Nuit Blanche, c'est tout festif. Faire. En fait, ce projet, c'est une carte de visite. Une carte de visite. C'est pas identitaire, c'est juste on vous a montré tout ce qu'on sait faire. Voilà. Pour la suite. C'est pas identitaire. Voilà, tu vois, c'est pour vous mettre un. C'est juste pour. Donner de l'eau à la bouche. Pour donner, voilà. C'était juste comme ça. Et en plus, comme je t'ai dit, il y avait des gens qui n'étaient pas là. Lors de la construction d'équipe de nuit. Ouais, très important. Voilà, ça veut dire du coup, nous on traînait un peu, on traînait, mais c'était volontaire. Ça veut dire on traînait sur les clips, on traînait, c'était volontaire. On attendait que nos gars sûrs soient là. On traînait à la fin. On a tapé une pointe, poteau, heureusement ils étaient là, parce que là c'était, il n'y avait plus le temps. Tac, ils sont sortis au bon moment, ils étaient là. On appelle son Dirty, il est très 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 lourd.
D'ailleurs, c'est 5 sons que vous posez, toi. Ouais, c'est 5 sons que tu peux le retrouver, mais c'est un gros son, et ça annonce la couleur. Et d'ailleurs, on a des hors-série, tu peux le retrouver dans un hors-série, ça s'appelle Résurrection. Il est disponible déjà sur internet, sur www.com, OTB, www.otb.com, tout ça. Et il est disponible déjà, et sur la page de l'Institut aussi, Abou Dabeil, Âge de Guerre, Résurrection, Le Retour. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça et voilà. Et voilà, maintenant je voulais savoir dans ce pays, pour vous, c'est quoi le son qui ressort le plus? C'est quoi votre son préféré? Mon son préféré? En fait, j'en ai plusieurs. Des fois, je vais te dire un tel là, dans mon humeur là, tout de suite, c'est différent. On est différent. Chaque humain, on est tous différents. C'est un morceau avec de Shinsekai, un morceau très lourd. Dadju, retracé, c'est une dinguerie vraiment. Moi, c'est différent. Dadju, d'ailleurs, dans ce morceau, tu peux retrouver LAS. Comme je vois les gens, ils disent on le voit pas partout, tout ça, mais LAS, il est dans pas mal de morceaux de l'équipe de nuit. Et crois-moi, ça rigole pas. L'écriture, les gens, ils ont pas rigolé. Hein. C'est un vrai truc, c'est pas un thème différent. On a trouvé un thème, on gratte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça, c'est vraiment on est dans le truc et tout. Ça fait plaisir. On a fait un vrai bail avec Shinsei. J'ai bossé déjà avec eux avant même qu'ils en soient Shinsei. Aboutal, tu le retrouves dans le freestyle en 2005, il est là. Dadju, c'est le demi-frère du gars Vassur. C'est-à-dire, dès qu'il est arrivé, on l'a accueilli direct, il a lancé en studio, tout ça. Et vas-y, pas de soucis, tu vois, je te dis. Moi, mon morceau préféré pour moi, franchement. Après, il m'a parlé de ton collant. Vie fantôme, hein. Vie fantôme. Ballon time. Tout là-haut. J'en ai plein. C'est à l'heure de mon humeur, tu vois. Si je me lève, un petit son cool, tu vois, pour Ville Fantôme, pour commencer la journée, tu vois, ça... Tu commences bien la journée, tout doux, tu prends ton petit café, tranquille, après, bon, bah, les choses de la vie, quand tu t'énerves, vas-y, petit dirty, tu vois, ça dépend de l'humeur, en fait. Là, depuis que l'Institut commence un peu à, on va pas se mentir, commence un peu à prendre du poids, vas-y, les auditeurs, ils ont mis l'étiquette comme la requête de section d'assaut. Mmh. Ouais. Maintenant, le délire, c'est cette étiquette, elle peut être bénéfique pour vous. Sinon, vous avez peut-être peur que vous évoluez dans le nombre de sections d'assaut, ouais, pour les internautes aussi. Nous, en fait, nous, dans tous les cas, on travaille. Ça veut dire, t'as qu'à dire, ouais, c'est les petits trucs, c'est des trucs. Mais nous, dès notre rap, il est différent, ça, ils vont voir. Non, ils le voient déjà, c'est différent. Ils le voient. Ouais. Et il y a quoi? Et la relève, nous, il n'y a pas de souci. On veut bien être la relève. Eux, ils nous ont déjà dit qu'on est la relève pour eux. C'est-à-dire nous, pour nous déjà on est la relève, mais après aux yeux des médias, tout ça avec la relève des sections, après c'est trop, après je sais pas comment ils vont faire le truc. Peu importe, nous franchement voilà. On est des bosseurs et tout le reste, ce qu'on entend, franchement on fait pas très attention à ce genre de choses. Voilà, c'est-à-dire moi je te dis la vérité, déjà c'est qu'à dire la relève, on est peut-être la relève, mais comme j'ai dit, on est trop grand pour être la relève. On est des grands garçons, déjà on était là, nous c'est les deuxièmes, on est les deuxièmes après section d'assaut pour des vidéos sur internet. C'est-à-dire nous, on avait une vague. On était dans une vague où on voyait personne avant. À part section, nous, il n'y avait personne à l'horizon. De notre génération. De notre... Personne à l'horizon. Quand je te dis personne, c'est personne. C'est 88 ou c'est ça? 88. Il n'y avait personne à l'horizon. On regardait le calme total. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On était là, la mer, elle était plate, poteau. On a des genres de gueva, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, on surfe dessus, basta. Voilà. Et par rapport à cet EP, ça va être quoi au projet? Cet été? Votre EP par rapport à votre cet EP? Franchement, ce EP, c'est. Déjà, ce EP, il est en mode été. C'est-à-dire, équipe de nuit, mais tu vois, la nuit, quand on était, il fait bon, tout ça, tu vois. Normalement, on sait pas comment ça va se passer. Tu vois, il fait bon, tout le monde sort, il fait. Voilà, c'est-à-dire, tu sors ton petit CD de l'Institut équipe de nuit, tu fous ça dans ton. Dans ton Merco, je sais pas quoi. Tu fous ça, vas-y, tu fais goûter les petits, tu kiffes, tu fais ton petit tour. Dans la suite. Dans la suite. Là, pour l'instant, on est en tournée. Comme il disait tout à l'heure, on est dans la moitié tournée, on est là. On prend nos marques. Tu vois, c'est un kiff aussi. Nous, la scène aussi, on kiffe. On a découvert la scène. La scène, c'est les deux choses qu'on kiffe le plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on prend nos marques. La première semaine de juin, il y aura un concert privé pour les médias, voilà. Et semaine de juillet, il y aura notre propre concert. Ouais, ouais, pas de soucis, t'inquiète pas. Et première semaine de juillet, il y aura notre propre concert, le premier concert de l'Institut à la Boule Noire. Voilà. Ça sera dans la première semaine. Déjà, on aura aussi Matisse et des dédicaces le 3 juin. À la Wati Boutique. Ouais, on a l'habitude de faire voilà, pour chaque artiste. Du Wati B. Ça veut dire que vous êtes la bienvenue. Pour ceux qui n'habitent pas à Paris, c'est dommage pour vous.
Pour les gens qui sont un peu plus loin, on se déplacera. C'est dans le planning, ne vous inquiétez pas. Au FNAC de Toulouse, je ne vais pas trop dire de nom, parce que c'est, je ne connais pas très très bien, mais je sais que c'est sûr. On va tourner dans les villes pour vous dire que comme ceux qui sont loin, on va venir à vous tranquillement. Voilà, et bientôt les équipes de nuit seront en précommande, même les déjà en précommande sur iTunes, tu vois. Là, on va l'officialiser bientôt, là. On va dire, ne vous inquiétez pas, on est là le 3 juin, motivé, l'Institut, on ne va pas vous décevoir, soyez présents. C'est trop, tout le monde. Okay. Vas-y, Emma, merci pour cette interview. Merci à toi, mon sauce. Merci, mon Emma. Ça fait longtemps, pas de soucis. Ouais, ça fait longtemps. La dernière interview que j'ai vue avec toi, c'était il y a 5 ans. Moi aussi, à l'époque, c'était dans la revue, mon frère. Ben oui, on était là, Milton, rue Milton, 9ème zone. Je me souviens, on avait, fait un freestyle. Un freestyle. Et c'était Gibbs Adama. Je me souviens, j'avais le nez qui coule. Ouais, Gibbs Adama, ils m'ont fait aiguille, c'est en ce moment, tu peux l'appeler Trunk parce qu'il vient du futur. Je me souviens. Trunk. Ouais, ils disent ça parce que je leur ai donné des idées, c'est comme ça, ils ont réussi à marcher, tu vois. Je leur ai dit. Gros big up à Noga d'ailleurs. Voilà, l'album Maître Gims voilà. Dans le pack le 20 mai. Le 20 mai suivi. Suivi de équipe de nuit. Donald, suivi de DRY. Suivi de Black M. Suivi de Basta. Suivi de Jerry Douman. Suivi de Shinsekai. Ça s'arrête pas. Le suivi de l'Institut. Voilà. En attendant, équipe de nuit sera disponible. Cette interview vont défoncer la porte. En attendant, équipe de nuit sera disponible à partir du 3 juin. 3 juin dans les bacs. Écoute et apprécie. Et regarde les clients derrière. Ils veulent rentrer. Ils veulent rentrer, pourtant la porte elle était bloquée. Deuxième.